AutoCAD Web. Commencer par se créer un compte pour pouvoir avoir accès. Ensuite, lorsqu'on va commencer, je vais juste dire dans le save, il faut commencer par un nouveau dessin. Moi, j'aime beaucoup les dessins impériaux en pouce, donc j'utilise AutoCAD Web Imperial. Et puis, il y a des petits problèmes avec ça. Donc, comme vous allez pouvoir voir, XY0, si on zoom out un peu, on peut voir que le XY est ici. Mais vous pouvez voir que si on fait juste un petit carré ou un rectangle, on peut voir que c'est 158 pieds par 103 pouces. L'échelle est très, 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 très grande. Donc, okay? Ça va créer un problème parce que lorsqu'on va insérer une image, on va avoir de la difficulté à insérer une image parce que l'image va être très petite. Fait que c'est juste pour vous montrer ça. Je vais canceller ma commande. Je vais deleter ça. Je vais vous montrer comment aller chercher une image. Fait que pour commencer, on va aller sur l'Internet. On va choisir. On va choisir ça ici. Je vais dire. Cliquer ici, voir. Je vais dire. Save image. Ça va ouvrir une fenêtre. Ça peut ouvrir. Je vais mettre dans le download. Je vais l'appeler Skido. Comme ça. Et je retourne à AutoCAD Web. Je vais aller à External Reference, qui est ici, XREF. Je vais dire Attach. File. Save Drawing. Faut que tu commences par sauvegarder ton dessin. Je vais y donner. OK. Bon. Moi, je vais upload a file. Je vais aller chercher la motoneige que j'ai choisi. Je vais dire Attach. Puis, vous ne pouvez pas vraiment le voir, là, mais si je zoome in un peu, vous allez voir un petit carreau apparaître. Là. Le petit carreau, par défaut, il y a un pouce. Là, je zoome in, puis j'essaie de me rester proche du XY. Je vais cliquer ici. Bon, ça, c'est mon dessin. Si je mets une mesure dessus, vous allez voir, puis c'est ça qui est la première chose à faire. Non, ça fait ça vraiment trop gros. C'est une des raisons pourquoi j'ai fait, voyez-vous, ça a un pouce. Donc, on va aller aux propriétés de ça, ici. On va le sélectionner. On va lui dire que le Dimension Style est décimal 0.5. Fait que ça va être un petit peu plus proche que de ce qu'on recherche. Un pouce de gros. Fait que je vais choisir l'objet, la fonction Scale. Je vais dire Enter à ça. Et puis, je vais dire le coin ici. Puis, je vais dire 24 fois plus gros. On peut se débarrasser de la mesure qu'il y a là, puis en remettre un autre. Puis s'en venir ici, s'en venir là, puis voir que ça a vraiment 24 pouces. Ensuite, je veux déplacer ça. Je veux déplacer ça. Qui est, on utilise la fonction move, déplacer. Je veux que le coin s'en aille à 0,0. Comme ceci. Ou 0 table 0. Donc là, on sait que l'objet est au X, est à bon endroit. Ensuite, dans les layers, voyez-vous, l'image est layer 0, c'est-à-dire. On va nous dire, on va créer un nouveau layer. Puis on va la mettre rouge. Pourquoi? Parce que puis on va la mettre courante. Fait qu'on peut voir aussi que la couche, la layer ou la calque est rouge. Fait que là, ça va me permettre de voir sur mon dessin comment faire. Là, ici, bien, je peux faire Enter, Confirm. Aller chercher la fonction arc. Je peux zoomer un petit peu. N'oubliez pas, hein, une fois que vous allez couper sous plasma ou engraver sur une CNC, l'image ne sera pas en arrière. Fait qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir savoir si c'est quoi que ça avait de l'air exactement la forme. Là, ici, c'est rare qu'on voit une motoneige de cette génération-là. Avec un pack-sac. Fait que je ne le dessinerai pas. Fait que je m'en viens ici comme ça. Comme ça là. Je pèse sur le piton du milieu de la souris. Je m'en viens ici comme ça. Les bons vieux filtreurs pour le carburateur en avant. La majorité d'entre vous n'avez pas connu ça. Ça mangeait nos. Si tu n'avais pas ça, ça lavait ton soupe de skido. Ben, des fois, il faut tricher un petit peu parce que ça peut être dangereux de perdre des morceaux ou d'aller trop mince. On va mettre ça, on a les guidons.
comme ça ici. Ici, on pourra faire un arc. Comme ça. Retourner chercher la ligne. Ce que je suis. Il est dur à trouver. Mon curseur il est blanc. Le fond il est blanc. Ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. Aller chercher l'arc ici. Comme ça. Aller chercher la ligne. Comme ceci. On met ça droit là, droit là. Droit là. Ici, on pourrait mettre un arc, ça va être plus beau. Les arcs d'AutoCAD, c'est clic. Clique dans le milieu et puis il va finir un peu plus bas. Ça, c'était le bouchon à essence. C'était très en avant. C'était pas dur à trouver. Puis la tank était claire dans ce temps-là. Donc, ça nous permettait de voir combien d'essence il restait. Okay. Vous pouvez voir quand je tasse, on peut voir la forme de la motoneige, etc. Je ne peux pas les. Enfin, je vais dire OK comme ça. Là, c'est une question de peut-être finir ça. Quand on a fini, on peut faire save. Comme ceci.